De midi à 13h, c'est le carrefour de l'info sur Arabelle. Vous êtes donc dans le carrefour de l'information et aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir avec nous Aurélie Tchekalski, députée au Parlement bruxellois et conseillère communale et de police à Uccle. Bonjour Aurélie. Bonjour à toutes et tous. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Arabelle. Est-ce que dans un premier temps vous pouvez un petit peu vous présenter en quelques mots pour tous ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore? Ah ben oui, mais merci beaucoup de me donner l'occasion justement de me faire connaître un petit peu mieux. Donc je suis Aurélie Tchekalski, j'ai 38 ans, je suis députée au Parlement bruxellois et active notamment dans les commissions environnement, énergie, climat, propreté et aussi mobilité, égalité des genres. Je suis conseillère communale et de police donc à Uccle, donc c'est vrai que les matières communales et régionales me tiennent particulièrement à cœur. Je précise que vous êtes députée et maire, je ne vais pas m'enseigner en présentation. Alors quel est le regard que vous portez aujourd'hui Aurélie sur la campagne de vaccination? On est en plein dedans actuellement. On est vraiment en plein dedans et je pense que ça doit être le leitmotiv vacciner, vacciner, vacciner. Ce n'est que comme ça qu'on pourra retrouver nos libertés, notre vie d'avant, entre guillemets, même si on va devoir apprendre à vivre avec le virus. Donc c'est vrai que je me réjouis qu'il y ait à ce stade 2 millions de personnes qui soient vaccinées en Belgique. Il faut continuer le processus de vaccination et à ce titre, je voudrais vraiment mettre en avant le rôle des bourgmestres à ce sujet. Parce que donc il y a différents centres de vaccination qui ont été installés dans notre pays, à Bruxelles en particulier. Et les bourgmestres ont vraiment joué un rôle de premier plan dans durant toute cette pandémie. Ils sont un peu les premières personnes qui sont en contact avec les citoyens. Je pense d'ailleurs donc à mon bourgmestre à Uccle, M. Boris Dies, ou bien à mon collègue Vincent De Wolf à Etterbeek. Et quand un citoyen a un souci, a une question, il se tourne en premier lieu, un peu naturellement, oserais-je dire, vers son bourgmestre. Et là où malheureusement parfois la région bruxelloise n'a pas pu donner des réponses aux questions des citoyens, les bourgmestres étaient là pour répondre aux attentes des citoyens, à leurs questions pratiques, à mettre en œuvre toutes les mesures qui étaient décidées à d'autres niveaux de pouvoir. Donc je voudrais vraiment tirer mon chapeau. Et c'était sûrement un rôle important vu les craintes qu'il y avait au début de la campagne vis-à-vis de ce vaccin. Oui, qui a été mis en place. Ils ont ce devoir d'information, d'informer quant à l'importance de la vaccination, des centres qui sont à proximité, qui sont déployés dans les différentes communes à Bruxelles, les mesures qui sont mises en place en termes de sécurité, pour les commerçants, pour les aides octroyées aux commerçants. Donc c'est vrai qu'ils ont, les communes ont vraiment un rôle de premier plan et donc bravo à tous les bourgmestres et tous les échevins qui se sont investis, qui n'ont pas compté leurs heures justement pour faire en sorte que tout se mette en place de la manière la plus fluide possible. Aurélie Tchekalski, bonjour. Vous êtes également conseillère de police à Uccle. Alors justement, comment se passe la campagne de votre commune? Alors, la campagne de vaccination, vous voulez dire? Oui. Mais écoutez, ça se passe bien. Donc, il y a un centre de vaccination qui a été lancé fin mars, rue Égide Van Oppen. Donc, voilà, tout se passe très, très bien. Les échos que nous en avons sont vraiment positifs. Notre bourgmestre fait régulièrement le point, que ce soit en conseil communal ou de police, sur le déroulement de cette campagne de vaccination. Les personnes, quand elles vont se faire vacciner, sont vraiment bien prises en charge, accueillies et épaulées jusqu'au moment où elles se font vacciner. Elles attendent dans la salle d'attente ensuite pendant une trentaine de minutes. Et puis voilà, donc c'est vraiment des échos très positifs. Le centre à Uccle est facile d'accès. Donc les personnes peuvent venir soit en transport en commun, soit il y a un parking. Facile d'accès aussi pour les personnes à mobilité réduite. Donc je pense que tous ces éléments sont importants à souligner. Et voilà, donc merci beaucoup en tout cas à la commune d'Uccle d'avoir mis ce bâtiment à disposition de la région bruxelloise pour faciliter justement la vaccination. On a énormément de personnes âgées dans notre commune, donc c'était important d'avoir un centre à proximité. Alors on a beaucoup parlé des jeunes durant cette crise sanitaire, un peu les oubliés. Et d'ailleurs, ils étaient à peu près 150 hier à l'appel de la FEF, la Fédération des étudiants francophones, pour manifester un petit peu leur ras-le-bol justement.
Aurélie Tchekalski, comment on peut aider justement ces jeunes en cette période difficile? Mais je comprends tout à fait le malaise des jeunes qui malheureusement ne peuvent pas vivre leur jeunesse de manière épanouie, qui sont aussi contraints à des mesures, tout comme nous, hein, les jeunes, les moins jeunes, les personnes qui ne peuvent plus rendre visite à leurs grands-parents qui sont dans des homes. Il y a énormément de contraintes, c'est vrai. On ne peut plus faire la fête comme on le faisait avant. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur le plan qui a été présenté hier par le mouvement réformateur et notre président Georges-Louis Boucher, qui s'appelle le projet Rebond, et qui est un projet qui comporte 50 mesures à destination justement des jeunes qui ont payé et qui paient un lourd tribut suite aux restrictions et aux impacts liés à la crise du coronavirus. Et ce plan donc, comporte une série de mesures très concrètes en enseignement supérieur, où on prône le retour à 100% en présentiel dès septembre prochain. Le soutien aussi aux étudiants pour les aider à réussir dans leur parcours universitaire, scolaire. Aussi, certains étudiants n'ont pas pu faire leurs Erasmus, hein, ce qui était initialement prévu a dû être reporté malheureusement. Donc c'est vraiment voir comment on peut reporter cet Erasmus l'année d'après. En enseignement obligatoire, il y a mettre vraiment le focus sur l'importance de la formation, les langues, l'apprentissage des langues. Mettre aussi les cours à disposition sur une plateforme numérique. Et enfin, une mesure que je trouve vraiment qui mérite d'être mise en avant, c'est certains étudiants ont perdu leur job étudiant. Ce job étudiant leur permettait de survivre, de vivre, de pouvoir payer leur cote, leur vie quotidienne, les petites dépenses, parce qu'ils n'ont peut-être pas malheureusement les mêmes chances que toutes et tous dans la vie. Et donc là, c'est augmenter le quota d'heures permises. Quand on est jobiste, on peut avoir 475 heures à son actif comme jobiste. Et ici, le mouvement réformateur propose d'augmenter ce nombre d'heures à 700. Donc voilà, l'étudiant pourra travailler plus, gagner plus en échange. Et ça peut répondre aussi, d'un autre côté, à une demande du secteur qui en demande de main-d'œuvre. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller consulter ce projet qui est sur le site du mouvement réformateur. Mais il y a vraiment plein de mesures très concrètes pour aider les jeunes à sortir. Voilà, c'est ça. On va passer à un autre dossier brûlant dans la capitale, c'est la mobilité. Oui. Donc on sait que depuis janvier dernier, la zone 30 a été généralisée à Bruxelles. Alors est-ce que c'est une fausse bonne idée ou c'était vraiment utile à Bruxelles ? Il faut donc, moi, c'est un non à la zone 30 généralisée. Il faut vraiment analyser quartier par quartier, là où il y a des problèmes, là où il y a ce qu'on appelle des zones accidentogènes, ce qu'on appelle les ACA, voilà, dans le jargon. Et donc, c'est vrai que là où il y a des zones qui sont identifiées comme accidentogènes, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Il faut mettre en place des dispositifs pour ralentir la vitesse. Il faut davantage contrôler que la vitesse soit respectée. Donc, c'est vrai que non à une zone 30 généralisée, mais il faut vraiment une concertation ciblée et concertée aussi avec les élus locaux, les bourgmestres, les échevins de chaque commune. Et ce n'est que comme ça que ce sera fait de manière concertée et intelligente. Et du coup, la ville s'ouvre de plus en plus aux cyclistes. On a vu de nombreuses infrastructures se mettre en place, comme des pistes cyclables, justement. Il était temps pour vous ? Oui, pour moi, c'est vrai qu'on ne peut pas dire... Bruxelles est confrontée à d'énormes problèmes d'embouteillage. Et il faut proposer aux Bruxellois une palette de moyens, d'alternatives crédibles. Les pistes cyclables, j'insiste bien, sécurisées, c'est un élément. Tout comme, par exemple, le déploiement du métro à Bruxelles, qu'il faut continuer à poursuivre. Le mouvement réformateur ne cesse de le répéter, mais nous voulons du métro partout et que chaque Bruxellois ait une station de métro à proximité de son domicile. Alors justement, vous parlez de métro. Les travaux du métro Nord ont démarré il y a quelques jours. On en parlait justement sur cette antenne. Est-ce que d'après vous, c'est vraiment nécessaire de développer le réseau justement pour la capitale ? Oui, tout à fait. Et c'est vraiment une très bonne idée que ce développement du métro se poursuive dans le nord de Bruxelles. Mais j'insiste vraiment sur l'importance d'avoir du métro partout. Ce n'est que comme ça que les Bruxelloises et les Bruxellois renonceront à leur voiture et se diront « Mais tiens, j'ai une station de métro à proximité de mon domicile.
idéalement, nous, ce qu'on voulons, c'est une station de métro à moins d'un kilomètre de du domicile des Bruxellois, parce que comme ça, il renoncera à utiliser sa voiture. Il y a aussi un autre moyen de transport dont on parle peu, malheureusement, à Bruxelles, c'est le train. Il y a énormément de gares à Bruxelles, et on peut se rendre en une dizaine de minutes d'un point A à un point B dans le centre de Bruxelles. Moi, j'habite à côté de la gare Duc-le-Calvout. Je sors de chez moi, je marche 5 minutes, je monte dans le train, et 10 minutes plus tard, allez, 12 minutes, je suis à la gare de Bruxelles Centrale. C'est formidable. Et donc, c'est vrai qu'il faut développer un peu toutes ces offres en parallèle, des pistes cyclables sécurisées, du métro, des lignes de tram, aussi développer les moyens de micro-mobilité. Et ce n'est que comme ça, je pense, qu'on pourra résoudre tous ces problèmes d'embouteillage à Bruxelles. Alors, Aurélie Tchaikalski, vous êtes aussi députée. Il y a quelques semaines, vous avez déposé un texte sur la végétalisation des bâtiments publics. Tout un programme. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous en dire un petit peu plus de quoi on parle lorsqu'on parle de végétalisation des bâtiments ? Oui, mais c'est assez rare que pour être souligné. Donc, c'est le premier texte du mouvement réformateur, qui est le premier parti d'opposition au Parlement bruxellois, qui a été voté à l'unanimité, juste avant les vacances de Pâques. Donc, qu'est-ce que la végétalisation des bâtiments publics ? L'idée, c'est d'identifier toutes les surfaces disponibles des bâtiments qui appartiennent à la région bruxelloise et de voir là où on peut mettre en place des toitures végétales, des dispositifs qui prônent l'agriculture urbaine. Pourquoi pas faire un mix entre des toitures végétales et aussi, par exemple, des panneaux photovoltaïques. Voilà. Donc, on demande à le texte demande au gouvernement bruxellois de regarder, d'établir un cadastre des bâtiments existants. Ensuite, pour toutes les nouvelles constructions que la région envisagerait de faire, on demande justement d'étudier la possibilité de végétaliser, donc soit des toitures, soit des murs végétaux, en tenant compte des contraintes techniques des bâtiments. Et j'espère maintenant que ce texte pourra... on attend des actes de la part du gouvernement bruxellois. Mais et au niveau des communes, ce serait aussi, l'idée serait que ce texte soit aussi transposé au niveau communal. Donc ça, ce sera la prochaine étape. Alors, un autre dossier brûlant à Bruxelles, c'est le déploiement de la 5G. Alors, tout d'abord, est-ce que vous, votre parti, êtes pour ou contre ce déploiement et pourquoi ce dossier étant problématique ? Alors, le mouvement réformateur a toujours été très clair. Moi-même, en commission environnement, je suis souvent intervenue sur le sujet. C'est oui au déploiement de la 5G, tout en étant bien sûr respectueux du principe de précaution, de la santé publique. Ça fait des années qu'on attend justement un signal du gouvernement bruxellois pour déployer la 5G. Qu'est-ce qui bloque concrètement ? C'est une compétence qui est un peu répartie, mais les régions sont compétentes pour les normes d'émission. Ce qui bloque actuellement, ce sont les normes d'émission à Bruxelles qui sont deux fois plus strictes que les normes d'émission en Wallonie et 50 fois plus strictes que les normes d'émission édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, sans un relèvement du seuil des normes d'émission, le déploiement de la 5G n'est pas possible à Bruxelles. Il faut savoir que dans d'autres grandes villes européennes, la 5G est déjà en place. Je pense par exemple à des villes françaises, à Bordeaux. Si vous regardez des émissions en France, vous verrez des publicités. La 5G est là, mais Bruxelles est en retard. Et Bruxelles risque aussi d'être en retard par rapport à d'autres régions du pays. Je pense par exemple le port d'Anvers ici a lancé des zones test avec la 5G, la région Wallonne avance. Et donc ici, le gouvernement bruxellois a préféré, entre guillemets, remettre la patate chaude dans une commission délibérative, qui est une commission mixte composée de parlementaires de la commission environnement, là où je siège, et de citoyens qui sont tirés au sort. Donc on attend, ça fait des mois qu'on en parle, même des années bientôt, et on ne voit rien venir. Déjà sous la précédente législature, le groupe MR au Parlement bruxellois avait déposé des textes à ce sujet. Ils ont été balayés d'un revers de la main. Donc il est grand temps. C'est aussi pour la compétitivité de Bruxelles. Sinon, le risque est grand de voir des entreprises quitter Bruxelles. Ce sont des emplois en moins. Et pour vous, cette commission délibérative, le fait de demander aux citoyens leur avis, c'est pas forcément une bonne idée ? Si. Donc, c'est un prétexte pour gagner du temps. Mais c'est un prétexte pour gagner du temps de la part du gouvernement bruxellois qui renvoie la patate chaude vers une commission qui va se réunir donc à partir de la fin de ce mois. On va demander à des citoyens de se prononcer vraiment sur un sujet très technique en très peu de temps. Donc c'est un petit peu, je trouve, un leurre, alors que le gouvernement bruxellois aurait pu trouver d'autres sujets qui touchent plus à cœur les citoyens pour être abordés dans cette commission. Je pense par exemple au prochain sujet de la commission délibérative qui sera le sans-abrisme. Donc ça, c'est vraiment du concret. Il y a aussi le Smart Move qui aurait pu être abordé dans cette commission. Tous les plans d'aménagement, ce qu'on appelle les PAD à Bruxelles. Donc c'est vrai que tout ce qui est développement territorial aurait
étaient peut-être plus des sujets appropriés à être discutés en commission délibérative plutôt que des sujets très techniques. Mais bien entendu, on est pour davantage de participation des citoyens dans le processus politique. C'est important d'avoir tout le monde sur le même bateau et de voir ce que les élus font, décident au quotidien. Alors, d'une autre manière, vous soutenez donc ce développement numérique à Bruxelles, non seulement pour réduire, bien sûr, la fracture numérique, mais aussi pour favoriser l'intégration des plus jeunes. Oui, mais oui, parce que je trouve que le développement du numérique, du digital, c'est important. C'est un secteur créateur d'emplois. C'est aussi un... Voilà, on pense à Bruxelles. On a l'exemple qui nous vient en tête, c'est Molenbeek. Voilà. Ça, c'est vraiment un exemple emblématique d'une success story. Je pense aussi à Bicentrale, située donc juste au-dessus de la gare de Bruxelles Centrale. Et donc, Bruxelles doit être vraiment une capitale ancrée dans le 21e siècle, dans la modernité, doit être aussi une smart city. Enfin, voilà, je mets tout dans le même panier, mais c'est un vecteur qui peut être pourvoyeur d'emplois. On voit bien l'intérêt des jeunes pour ces matières-là. Il faut les encourager. Et ça, justement, l'emploi, c'est un tremplin. C'est un win-win pour tout le monde. Alors, on va terminer tout doucement cet entretien, si vous le voulez bien. Avec une note positive à cause de la crise sanitaire, une chasse aux œufs connectés a été organisée. Alors, est-ce qu'on peut dire que ça a été un véritable succès ? Oui, vraiment. Je reprends ma casquette ucloise. Donc, avec l'échevine Valentine Delwart, nous nous occupons du service uclois de la jeunesse. Depuis un an, on a été amené à se réinventer, trouver des activités pour les jeunes. On parlait justement des jeunes qui étaient confrontés fort peinés par toute cette crise. Et on a réfléchi à UCL à une activité qui était Covid-free, comme on dit maintenant. Et donc, on a organisé une chasse au trésor, chasse aux œufs connectés, pour découvrir un peu le patrimoine uclois, architectural, culturel de la commune d'UCL. Il y a deux parcours, un parcours de 4 km et un parcours de 8 km. On se connecte à l'application Totemus, on fait le parcours. Et à l'issue, donc, il y avait des œufs en chocolat en prime. Il y a 2500 groupes qui ont participé, parce qu'on n'a pas une vue sur le nombre de personnes exactes. Et donc, c'est un véritable succès. L'application continue à exister. Donc, je vous invite, si vous n'avez rien de prévu le week-end prochain, à découvrir ce parcours. On ira voir. Oui. On arrive justement à la fin de l'entretien. Quel est le message que vous voulez faire passer à tous ceux qui nous écoutent, peut-être un message d'espoir en cette période de crise sanitaire? Oui, un message d'espoir, d'optimisme, de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. C'est vrai que c'est pas facile. On aimerait toutes et tous retrouver nos libertés. Voilà, donc il y a un comité de concertation ce vendredi. Voyons avec optimisme l'ouverture des terrasses début mai. On ne peut pas tout, mais on fait déjà un petit peu chaque jour au quotidien. Continuez à prendre soin de vous, à respecter les gestes barrières. Et puis, essayons de voir le bon côté des choses. Et aussi, un message de soutien à toutes les personnes qui sont vraiment impactées par la crise. Je pense aux restaurateurs, aux commerçants. La liste est longue. Au personnel soignant. Un message d'espoir et de soutien. Voilà, merci beaucoup Aurélie Tchekalski. Je rappelle que vous êtes députée MR au Parlement bruxellois et aussi conseillère communale et de police à UCL. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bonne journée. Merci également. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre Carrefour de l'Info.